Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne de Sissi True Crime. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène en Suède, précisément au nord-est de la Suède. Près de la ville de Göteborg. Notre histoire se déroule dans deux communes la commune de Joteneux où se trouve le lieu de travail de la jeune victime de cette affaire, Lisa Holm, jeune fille de 17 ans au moment des faits en juin 2015, et la commune de Skövde, où habitait Lisa. Qu'est-il arrivé à cette belle jeune fille de 17 ans qui a trouvé la mort dans d'atroces circonstances le jour du 7 juin 2015 C'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Mais avant tout, je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos commentaires. C'est vraiment encourageant pour une chaîne comme la mienne qui grandit jour après jour et cela, c'est grâce à vous. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune notification. Je publie des vidéos sur le thème du féminicide et de la violence conjugale deux fois par semaine. Je vous remercie et maintenant que j'ai acté tout cela, on va pouvoir commencer les investigations. Qui est Lisa Holm Cette dernière est une rayonnante jeune fille de 17 ans qui vit une vie paisible comme toute jeune suédoise de son âge entourée de ses parents et de sa sœur. Elle vit dans la commune de Skövde, une commune du nord-est de la Suède près de Gotteborg dans le comté de Vastra. Et cet été-là, en juin 2015, Lisa Holm vient d'avoir 17 ans. Elle sait ce qu'elle veut faire puisqu'elle désire continuer ses études en sciences sociales après avoir obtenu son équivalent du baccalauréat dans cette branche. Elle désire vraiment se spécialiser dans les sciences sociales et sa mère dira d'elle qu qu'elle était un cœur d'or qui adorait les animaux. Elle avait un grand sourire mais elle restait un peu timide. Et c'est pour cela que, au printemps 2015, elle avait demandé à son père la permission d'obtenir une bobillette afin de l'aider à se rendre dans plusieurs endroits du comté pour lui permettre de rencontrer des gens. Lisa. Holm avait également trouvé un travail d'étudiant l'été afin de se faire un peu d'argent pour ses études à la rentrée prochaine. La vie de la jeune fille était sur de bons rails et un avenir brillant l'attendait. Mais cet avenir brillant lui aura été arraché par un monstre vil le jour du 7 juin 2015. Nous sommes donc le 7 juin 2015 et en cette soirée, Lisa Holm, 17 ans, vient d'achever son service au café de Blomberg situé sur la commune de Joteleu. Cette commune Joteneux se situe à quelques 20 km de la ville où habite Lisa Skovd. Et pour se rendre à son travail, Lisa utilise la mobilette qu'elle a obtenue au printemps dernier en mai 2015. Elle a demandé à son père la permission d'acheter une mobilette afin de pouvoir effectuer plus facilement les trajets pour aller à son travail de chez ses parents. Et ses parents ont accepté ce qui a mis la jeune fille en joie. Depuis, Lisa avait trouvé ce petit travail au café du monastère de Blomberg et l'effectuait avec passion. Elle s'entendait très bien avec les clients, le patron et ses collègues et tout allait très bien pour elle en cet été 2015. Elle savait où elle allait aller en septembre et pour elle tout s'annonçait paisiblement. La jeune fille qui vient de finir son service envoie un SMS à son père comme à son habitude. Elle le prévient qu'elle sera chez eux dans quelques temps. La distance à parcourir n'est pas loin depuis le et la mobilette avance facilement. Le père de Lisa répond à sa fille et il attend donc la jeune fille aux environs de 19h. Or, les heures passent et Lisa ne répond pas aux SMS de son père, pas plus qu'elle ne rentre chez elle. Le père de Lisa devient inquiet, ce n'est pas dans les habitudes de sa fille, elle est toujours très ponctuelle et ne mettrait pas ses parents dans l'inquiétude. Le père décide de partir à la rencontre de Lisa et prend sa voiture afin d'effectuer le chemin que fait sa fille chaque jour. Puis il se décide à se rendre au café de Blondberg où il contacte le propriétaire. Le propriétaire est très étonné quand le père de Lisa arrive au café, car il sait que la jeune fille est vraiment très sérieuse et ne se mettrait pas en danger, elle préviendrait les siens si elle avait eu un retard quelconque ou un empêchement. Le propriétaire du café et le père de Lisa se mettent alors à la recherche de la jeune fille, mais ne la trouvent pas, et l'inquiétude les gagne de plus en plus. À 22h, le soir du 7 juin 2015, la police de Joteneux est contactée et Lisa est alors signalée comme manquante. Elle n'a pas été vue par sa famille depuis qu'elle s'est rendue au travail. C'est alors que la police met en œuvre tout de suite les recherches concernant Lisa car ils savent très bien que les premières heures sont cruciales dans une disparition et ils espèrent que la jeune fille est encore en Suède. Dans le meilleur des cas, la police fait aussitôt les premières recherches et il fouille les environs du café de Blomberg. La fouille est fructueuse puisque les policiers mettent la main dans une grange d'un gant de cyclomoteur de Lisa et cette grange se trouve vraiment à côté du café. Le surlendemain, la police trouve un téléphone portable qui s'avère être le téléphone de Lisa et dans la foulée, les autorités trouvent également Possession de la jeune fille, toujours dans la même grange. Trois jours après la disparition de Lisa, le 7 juin 2015, les autorités publient un appel à témoins. Ils publient la photo de la jeune fille ainsi que la, un avis de disparition et demande l'aide de la population. Cet avis de recherche est relayé par l'association de recherche de personnes disparues Missing People qui se joint aux recherches effectuées par la police. Et c'est grâce à l'intervention de la police et de Missing People qu'environ 1100 volontaires se retrouvent pour rechercher Lisa. On dira quelque temps plus tard que c'est la première fois qu'un appel à volontaires a été entendu en Suède de manière importante et le nombre de volontaires c'était le plus important qu'il y ait eu pour une recherche de personnes disparues. Et finalement, les volontaires ainsi que la police unissent leurs efforts et ils retrouvent alors toujours dans la même grange une boucle d'oreille appartenant à Lisa. Et c'est alors que la police se dit que cette grange pourrait très bien être une scène de crime et que certainement une personne qui voulait du mal à Lisa l'a emmenée à cet endroit afin de passer inaperçu. On retrouve également près de cette grange le permis de conduire de la jeune fille. Les choses sont claires pour les autorités, ils ont affaire maintenant à une scène de crime et recherchent un corps, sinon une personne en vie. Et cela est vraiment tragique pour la famille de Lisa qui espérait revoir la jeune fille en bonne santé. C'est le soir du cinquième jour après la disparition de Lisa Holm, qu'une découverte macabre a lieu. Les autorités retrouvent un corps dans une armoire d'un hangar de travail situé à quelques kilomètres du café où travaillait la jeune fille. Les autorités ont fouillé tous les bâtiments aux alentours du café et ont fini par trouver cette ce hangar où la jeune fille a été enfermée. Le lendemain, la police confirme lors d'une conférence de presse que c'est bien Lisa Holm qui a été retrouvée assassinée. Et c'est alors que les autorités investiguent à présent pour un meurtre et non plus pour une disparition. Et c'est alors qu'on apprend très rapidement que trois personnes ont été interrogées sur la disparition de Lisa en début de semaine suivante. Ces trois personnes sont arrêtées et deux d'entre elles sont soupçonnées de meurtre. Il s'agit en de deux artisans également frères qui travaillent dans la région. Ils sont soupçonnés par les autorités car des preuves techniques les ont pointés du doigt. Le lendemain du jour où la police informe de la mort de Lisa Holm, un service commémoratif est organisé en son honneur dans l'église de Skovd. L'église est pleine à craquer. Une pile de fleurs et de bougies ainsi que de vœux grandit devant le café également où Lisa Holm travaillait. C'est un hommage qui est rendu à la jeune fille et les parents de Lisa Holm sont entourés par la solidarité et Les prières de toute une population. Aucun parent ne devrait avoir enterré son enfant, ce n'est pas dans l'ordre des choses et la foule suédoise l'a très bien compris ce jour-là et accompagne dans la douleur les parents de Lisa Holm. Les deux principaux suspects de la police sont deux frères artisans qui sont détenus pour l'instant par le tribunal du district de Skaraborg. Et parmi ces deux frères, l'épouse de l'un d'entre eux est également arrêtée parce qu'elle est soupçonnée de protection. Aggravée de criminels. Elle est incarcérée et libérée une semaine plus tard. Cette épouse, qui est d'origine lituanienne, comme les deux suspects arrêtés, quitte la Suède et se rend en Lituanie car elle ne veut plus rien avoir à faire avec son époux soupçonné de meurtre. Deux semaines plus tard, le frère cadet, est libéré. Il n'y a pas réellement de preuves concrètes contre lui et la police ne peut plus le retenir comme elle le désire. Les soupçons demeurent en partie contre le frère cadet, mais pour l'instant il est mis hors de cause. Ce n'est pas la même chose pour son frère aîné qui lui est libéré mais à nouveau arrêté en raison de preuves techniques qui l'accablent et qui font de lui le principal suspect dans le meurtre de Lisa Holm. Mais à présent, parlons plus en détail du suspect ce fameux artisan. Ce dernier se nomme Nerigius Bilevicius et il est originaire de Lituanie. Il a toujours nié les faits qu'on lui reprochait dans l'assassinat de Lisa Holm. En novembre 2015, Nerijus Bilevicius est alors condamné après cinq mois de détention pour le meurtre de Lisa Holm. Il est condamné par le tribunal à la prison à vie et à l'expulsion en Lituanie. Que sont les preuves que possède la police à l'encontre de Nerijus Bilevicius? Les preuves contre lui sont accablantes car elles consistent en des traces d'ADN sous la forme de son sang sur les Vêtements de Lisa Holm et on a trouvé également des traces d'ADN sur le lieu du meurtre, c'est-à-dire la grange où le corps de Lisa a été retrouvé. Or, Nerigius Bilevicius s'enferme dans le déni. Pour lui, il n'est absolument pas responsable du crime contre la jeune fille, il ne l'a jamais rencontrée, il ne saurait donc être tenu coupable du crime contre elle. Selon le procureur, un scénario s'est très vite dessiné aux yeux des forces de l'ordre. Nerijus Bilevicius aurait croisé la route de lisa holm alors qu'elle s'apprêtait à quitter le café de blomberg vers dix-huit heures trente constatant que la jeune fille était seule et qu'il n'y avait personne pour lui venir en aide à ce moment-là il s'est donc rué sur elle et l'a enlevée pour l'entraîner vers la grange où il lui a fait subir des sévices avant de mettre un terme à sa vie. Je vous épargnerai les sévices qu'il a infligés à la malheureuse Lisa Holm, mais le mobile du crime était sexuel, en plus d'être un crime d'opportunité, selon les dires du procureur. La vie de Lisa a été achevée brutalement ce soir du 7 juin 2015, mais pour Neritius Bilevicius, il n'étant rien coupable des faits, et continue de clamer son innocence dans sa prison. La cour prononce sa sentence et Nerigius Bilevicius est condamné à la prison à vie par la cour d'appel du Gotha. En réalité, la cour suprême a décrété qu'il n'y aurait pas d'appel et que le suspect ne pourrait pas présenter d'appel afin de contester le verdict. Les circonstances aggravantes ont été ajoutées à ce crime horrible et en respect pour la famille de Lisa et Lisa, la cour Suprême a décrété qu'elle n'entendrait pas et qu'elle refuserait l'appel de Nerigius Bilevicius. Et c'est ainsi que la condamnation à la prison à vie du suspect duanien devient juridiquement contraignante le 2 mai 2016. Et c'est à ce moment-là que Nerijus Bilevicius commence sa peine dans la prison de Nortalgessens En septembre 2016, il demande à être transféré dans son pays d'origine, la Lituanie, et c'est alors que des tractations vraiment serrées commencent entre la justice lituanienne et la justice suédoise. La justice suédoise n'accordera son accord qu'à une seule condition, que le prisonnier lituanien purge une peine de prison à vie dans son pays d'origine, ce à quoi la Lituanie n'est pas prête à s'engager. Un juge lituanien avait statué que Nerijus Bilevicius devait purger une peine de seulement 15 ans. Le prisonnier a invoqué comme raison de son transfert en Lituanie la barrière de la langue parce qu'il restait en Suède et l'éloignement avec son épouse et ses parents. La justice suédoise autorisera l'extradition de Nerijus Bilevicius en Lituanie uniquement parce que la justice lituanienne a finalement décider d'accepter la peine de prison à Vica et Copée d'Erigius Bilevicius. Et c'est alors qu'en août 2017, il est autorisé à purger sa peine en Lituanie. Mais les choses vont de mal en pis pour Nerigius Bilevicius puisqu'il est agressé dans sa prison et il perd la vie Très rapidement après avoir été transféré. Un prisonnier s'est jeté sur lui et l'a poignardé. Et ce n'était pas la première fois que Nerigius Bilevicius était agressé en prison puisqu'il avait reçu de l'eau bouillante sur le visage. Il a fallu un long moment de tractation avant que les justices lituaniennes et suédoises ne s'entendent sur les conditions d'extradition du prisonnier mais lorsque cela est arrivé le prisonnier a été transféré de suède en lituanie la famille de lisa holm ne s'est exprimée sur la mort de la jeune fille qu'après avoir entendu la peine de prison à vie du suspect la famille avait été entourée par l'affection de tout un pays et s'était sentie soutenue, mais elle n'avait pas souhaité apparaître dans les médias. Elle avait demandé aux médias qu'elle puisse vivre son deuil en paix loin de tout battage médiatique, ce à quoi les journaux avaient consenti. Et la famille avait pu vivre un deuil douloureux en paix, se soutenant les uns les autres. Juste après la sentence de prison à vie de Nerigius Bilevicius, la famille communiquera au peuple suédois et leur exprimera le fait qu'elle a été reconnaissante pour toute sanction et le soutien qu'elle a reçu de la part de leurs concitoyens. C'était vraiment touchant et la famille ne s'est jamais sentie seule et isolée durant cette période affreuse qu'ils ont eu à vivre. Ils ont remercié les Suédois pour toute l'aide qu'ils avaient fournie durant la recherche de Lisa. Aussi, durant le procès, la famille a fait face à Nerijus Bilevicius. Ce dernier a montré une attitude fuyante, ne regardant pas une seule fois la famille et de sa jeune victime. Il a gardé les yeux rivés au sol tandis que le père de Lisa, lui, l affronté du regard. Le père de Lisa recherchait l'affrontement visuel avec le suspect, avec celui qui lui avait pris la vie de sa petite fille, mais pas une seule fois le suspect ne regardera le malheureux père. C'était une confrontation douloureuse qu'a relatée la presse lors du procès du criminel qui a pris la vie de la jeune Lisa Holm un soir d'été de l'année 2015. C'est une affaire récente qui s'est tenue en Suède, mais je tenais à vous la présenter car elle les thèmes de la violence et du féminicide, puisque la jeune Lisa a été tuée en raison de son genre. C'est un crime que l'on pourrait qualifier d'opportuniste, puisque le criminel a vu que la jeune fille était seule et que personne ne pourrait l'aider ce soir-là. Il l'a capturée et l'a emmenée afin de mettre un terme à sa vie et après avoir décidé d'assouvir un fantasme. C'est un crime vraiment horrible dont a été victime la jeune Lisa Holm qui n'avait que 17 ans au moment de et il faut remarquer la rapidité de la justice suédoise qui a jugé très rapidement le suspect et ne lui a laissé aucune chance de s'en sortir. La justice a été vraiment très efficace dans cette affaire et a même bataillé avec la justice lituanienne afin que le suspect écope de la même peine de prison en Lituanie et n'échappe pas à son terrible destin. D'ailleurs, le destin a rattrapé peu de temps après Nerijus Bilevicius qui n'aura pas purgé un tiers de sa peine en prison depuis Août 2017. Je tiens à souligner qu'on ne sait pas le sort qui a été réservé au frère de Nerijus Bilevicius qui faisait partie des suspects à ce moment-là. On ne sait pas si l'artisan a continué d'habiter en Suède après la condamnation de son frère ou s'il est rentré en Lituanie. On sait que la femme de Nerijus Bilevicius qui avait été arrêtée par la police et elle rentrée en Lituanie mais on ne sait pas si des poursuites se sont tenues contre elle. On ne sait pas qu'elle a été la teneur de sa complicité dans le meurtre de Lisa car la Police a estimé qu'elle avait protégé un criminel, son époux, et qu'elle n'avait pas aidé à donner des informations qui auraient pu permettre de retrouver le criminel plus tôt. L'épouse de Nerigius Bellivicius mène donc une vie. Paisible en Lituanie, et elle n'a pas été inquiétée par la police suédoise ni n'a eu à subir les conséquences de cette affaire douloureuse. Quant au frère de Nerigius Bilevicius, son sort n'est pas connu sur l'internet, je n'ai pas trouvé d'informations à son sujet. On sait juste que les parents vivent toujours en Lituanie et sont proches de l'épouse de leur fils décédé. C'est tout pour cette affaire, je vous remercie de l'avoir suivi sur la chaîne de CC True Crime et je vous dis à très bientôt pour d'autres affaires que je vais évoquer et qui se déroulent également en pays nordique car c'est comme cela en ce moment des affaires révoltantes me sont parvenues et je souhaitais vraiment les raconter afin que vous en ayez connaissance j'estime qu'elles doivent être connues. C'est tout pour cette histoire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez que j'évoque des affaires criminelles dont je n'aurai pas connaissance, sentez-vous libre de me les proposer en commentaire sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches.